Bonjour tout le monde, je continue à jouer à Skyrim. Je vais peut-être installer des mods, j'ai trouvé quelques mods qui m'intéressent. Au lieu de prendre les mods séparément, j'ai été voir des petits packs que les autres ont fait. Il y en a beaucoup que je vais pas regarder du tout parce que il y a des trucs pour adultes et sur YouTube, ça n'aurait pas marché. Je veux pas mettre des trucs trop problématiques pour lui. Mais il y en a un qui m'intéresse en particulier. C'est le cheval invincible. Comme ça, je vais pouvoir m'acheter un cheval, puis il ne meurt pas aussi facilement. Mais par contre, invincible, ça ne veut peut-être pas dire qu'il ne peut pas mourir, parce que ça serait quand même illogique s'il tombe très haut, qu'il ne meurt pas. Mais on verra. Il y a peut-être des manières de paramétrer le truc aussi. Bon, ça risque d'être un peu long. On va voir si je peux ramasser quelques trucs. Heureusement, quand même, ce que Skyrim n'est pas photoréaliste. Je veux dire qu'il soit réaliste comme si on était dans le monde réel. Ça serait très compliqué à créer. Je pense pas que l'ordinateur serait capable de créer des trucs aussi réalistes, de toute façon. Faire du point-and-click, par contre, oui, ça serait réaliste. Oh! On dirait qu'il y a des mammouths, donc des géants. D'ailleurs, c'est logique qu'il élève des mammouths parce que, en étant un géant, pour lui, c'est comme une vache pour nous. Ouais, je sais, trop de choses pour pouvoir courir. Par contre, c'est le IA de l'époque qui aurait besoin d'amélioration, je pense. Je sais pas si ils ont des modes pour ça. Pour améliorer l'IA. Ok, c'est toi qui fais le bruit. Je me demandais s'il n'y avait pas un ennemi derrière moi. On va passer par les rochers. Parce que s'il y a un géant, il vaut mieux être là-haut. Et logiquement, on est quand même assez éloigné de son bétail pour qu'on soit tranquille. Ça aurait été le fun de pouvoir l'attaquer, mais avec un niveau aussi faible que j'ai en ce moment, c'est du suicide. Peut-être un jour, juste pour rigoler, on va peut-être le faire. La fumée a l'air d'avoir un peu de verre là-dedans. Et voilà le géant. Désolé. J'ai attrapé un rhume ou une grippe. Donc, là, il est rendu vers la fin, là. Ils sont toujours deux. C'est drôle quand même qu'on n'en trouve pas des femelles. Mais juste des mâles. Ah, il y a un coffre. Ce serait tentant. Ça serait trop tentant d'y aller. Oh, c'est flou. Je parle de la montagne. Il y a aussi des petits bugs de texture, on dirait. Ça flash. Ça bouge. Bon, en même temps, c'est pas censé être surveilleur, ce truc. Et on fait que le minimum. Bon, en même temps, tout refaire, ça serait long. J'aimerais bien Oblivion. Oh, s'ils pouvaient le mettre. Parce qu'il y a Sky Bivillion, là. Oh, s'ils pouvaient le mettre en VR, ça serait cool.
Ça serait tellement le fun. Mais ils l'ont même pas fini pour la version originale, donc ils voudraient peut-être mieux attendre qu'il ait fini. Ah, il y en a plusieurs. Ah, allez, on a les attaques. C'est pas très solide, cette bestiole, de toute façon. On pourrait manger du crabe. Pas du vassard, mais c'est quand même un crabe. La version crevette, ça sera pas mal. Pas crevette, la version écrevisse, ça sera pas mal. Même si ça n'existe pas vraiment dans les cours d'eau, je pense. Aïe, ça serait drôle. Bon. On a fini. Oh là là, quelle belle journée qui s'annonce. Mais enfin, une journée, c'est toute la soirée, d'après ce que je vois, ça a l'air que le soleil se couche. Ah, ça, je ramasse. Je ramasse, j'ai dit. T'es trop loin. Là aussi. OK. J'avais essayé une fois, là. Au lieu d'être de la. Je pense que j'appelle ça des steppes. En tout cas, c'était juste une forêt. Je reconnaissais plus Blancherive. J'étais même plus capable de trouver mon chemin. C'était drôle. Il y en a aussi qui ont changé la couleur, la colorimétrie, pour le mettre un petit peu plus coloré, plus gai. Mais pour le ton de Skyrim, c'est vraiment le bon choix qu'ils ont fait. Je suis presque arrivée. On va me laisser tomber là. Paf, non? Paf! C'est trop bas pour que ça puisse me faire blesser, c'est tant mieux. Lydia, elle a dû faire le contour ou elle tombe. Elle a fait la même chose que moi, c'est pas mal. Bon. Ça aurait été le fun si par là, là. Tu sais, où il y a les égouts, si on pouvait rentrer en Skyrim par là, ça aurait été amusant. Dans certains jeux, là, tu pouvais rentrer dans les égouts, là, puis se promener, puis tuer des créatures à l'intérieur, là. Oh, c'est dans l'Anaflore. Le troisième. Que tu pouvais rentrer. Ah, là, faut que je saute. Jamais belle idée. Par contre, si tu laissais les égouts ouverts, puis un bandit tombe dedans, là, il est pas content, puis il t'attaque. Ah. C'était quand même une mauvaise idée, ça. Et bien sûr, puisque tu le tues dans les égouts, aucun garde ne peut te voir. C'est tant mieux. Bon, il faut pas oublier qu'il y a déjà un endroit où tu vas quasiment dans les égouts, là, pour aller dans les planques des voleurs. C'est une façon de parler quand j'ai les égouts. Bon. On a toujours Lydia. Ça s'appelle comme ça. C'est bien ça ton nom, hein? Oh, t'es où? Ah, t'es là. On peut pas voir le nom de son nom. Oh, je s'en fous, c'est pas grave. Oui, je sais que je pense pas trop de choses. Mais c'est pour ça que j'aimerais avoir le cri qui me fait avancer plus vite. Pour ça, faudrait que j'aille voir les grises barbes. Bon. Vu que j'ai mis facile, peut-être que le troll des glaces ne serait pas aussi difficile à tuer. Que je pourrais utiliser avec flamme. Ça serait pas un peu abusé, ça, par contre, de mettre le facile aussi bas. Ah, moi, ça serait le fun, hein? Mais on peut pas passer par là. Parce qu'il y a une barrière. Des barreaux. On tourne. Je préfère utiliser mon corps pour tourner que d'utiliser les flèches
le joystick parce que ça nous donne mal au cœur. Ah, c'est joli. On le voit. Là, c'est vrai que ça se voit à plat, là, mais c'est joli quand même. Par contre, si je voudrais créer un jeu VR et que je suis très difficile sur les détails, j'aurais de la misère à le laisser en cet état-là. Pas pour les longues herbes là, qu'on voit là, là. Ça c'est bien là. C'est juste les petites herbes là, qui sont là, censées être là, mais c'est tout plat là. Quand t'es trop proche. C'est un peu plate. Mais quand t'es loin, là, ça c'est joli, là. Ouais, je trouve trop. Je veux trop que ça ressemble au monde réel, on dirait. Par contre, ça me dérange pas tant que ça. C'est normal, c'est le sol, là. Il peut pas trop exagérer non plus. Puis ça, c'est assez bien géré. Il peut pas tout mettre en 3D, là, ça serait compliqué. Bon. Pourquoi est-ce que j'ai encore les armes? Je peux les enlever? Comment je fais encore pour les enlever? Ah, comme ça. Ouais, parce qu'en ville, je risquerais de tuer quelqu'un avec, hein? Juste en bougeant la main comme ça, là. Ah, il est tard. Oh, tiens. Il est où sa maison à lui encore? C'est-tu celle-là? Oh, attends, c'est Blancherie, celle-là. Ouais, pas Blancherie, je veux dire, c'est notre maison. Lui, il doit habiter à un autre endroit. Salut! Comment tu vas? Mais ça, tu me réponds pas parce que tu peux pas me répondre, mais c'est pas grave. Par contre, je pensais qu'il répondait quand on était trop proche. Ce n'est tout de même pas vous, l'enfant de dragon de la légende. Si? Peut-être. Je dis ça parce que, regarde, lui, il vient de parler alors que je l'ai même pas vu qu'il était à côté de moi. En même temps, il veut pas devenir ami, hein? Lui, il veut faire du commerce. Mais justement, faut qu'il soit aimable avec tout le monde s'il veut vendre des stocks. Ah, tiens, toi, t'es là. Bonjour. Tu m'en regardes pas, mais c'est pas grave. Salut. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Ouais. Le travail est dur, mais la vie est belle. Tant mieux pour toi. Bon, moi, qu'est-ce que je voulais faire? Moi, c'était. Ouais. Le problème, c'est que. Il est trop tard pour les boutiques. Tout le monde est parti. Donc, je vais devoir aller à l'auberge. Ouais. Je sais pas si ma chambre est encore bonne ou s'il faut que j'aille payer. En doute, je vais aller payer. Ouais. Bon, c'est juste une pièce. Je pourrais peut-être m'asseoir et écouter la musique. Ah, oui. Attends, je pense que je peux m'installer. Hop. J'ai rien fait. Bon, d'accord. Je suis pas vraiment bien placée. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Attends, où est-ce que je suis, moi? Ah! Où est-ce qu'il est, mon divan? Il est où, le divan? Je voulais m'asseoir sur le divan et... Vous avez peut-être entendu parler... Non, il est pas là. Ça, c'est... Attends, je retourne sur moi. Ceci est, il est peut-être ici. Loyaux défenseurs de bord de ciel, les impériaux. Mmh. Ça a l'air d'être la prise. Ciel, d'accord. Non, j'arrive pas à le trouver. Bah, c'est pas grave. Quoi? Pourquoi vous me regardez? Je te regardais même pas. Mais bon. Chez nous, nous reviendrons. J'aime beaucoup ce travail. Mais je préfère prendre ma retraite. J'ai pensé vendre l'affaire à Isolda. Enfin bref, que puis-je pour vous? Gente dame, je voudrais une chambre. Vous plaisantez? Vous venez de me louer une chambre. Ah! Bon. Alors on dirait que j'ai pas besoin. Tant mieux pour moi. Il va me croire que je suis amnésique. Mais non, c'est simplement parce que j'ai fait... plusieurs semaines que j'ai pas joué dessus.
Enfin, je pense. Le temps passe tellement vite. Bon, on va aller dormir. 8 heures. Oh, on est sur... On va mettre 8 heures, ça va dire 11 heures peut-être. Ok. C'est quoi encore le thé? Ah, c'est pas ça. On va remettre 11 heures. Ok. C'est le bouton. Je me trompe souvent dans les boutons. Bon. Ah, on va aller voir en même temps, là, pendant ce temps-là. Ok. Le divan. Ah, il était là, le divan. Juste ici. Bon. C'est pas bien grave. Hop. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis enfoncé dans le sol. C'est pas grave. Bon, là, c'est mieux. Il y a des petits bugs, mais c'est pas grave. C'est juste amusant. Oh, je serais mieux de pas voler à l'endroit où je dors. Bon. Ah. Elle est encore là. Bon, elle s'en va. J'espère qu'elle n'est pas trop devant. Ah, salut toi. Bon. Je pense que j'ai pas encore de hache pour pouvoir couper du bois. Ce n'est pas simple d'être une femme au bord du ciel. Mais soyez forte. Et les hommes finiront par vous respecter et même vous craindre. Ah ouais. Bon. Le truc que j'aime un peu moins ce qu'ils ont fait, c'est que les hommes rentrent dans les personnages. Ça, j'aime moins. Mais bon, je suis critiqueuse. Je sais plus si j'ai été... c'est là qu'il habite... pas qu'il habite, qu'il a sa boutique. Le... Son nom dans le Cardia, ça c'est pour les potions. On va aller voir si j'en ai assez pour faire des potions. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. D'accord. Je devrais pouvoir lui vendre des trucs aussi. Voyons voir. Ok. Je vends des remèdes pour toutes les maladies. Bienvenue dans mon magasin. Ça fait quoi si je fais ça? Y pour artisanal. C'est quoi le bouton Y encore? Oh, c'est pas qu'il est Mac. Une décoction honnête. Bon. Mais continuez d'essayer de nouvelles choses. Ouais, je sais. C'est juste que ça me tente pas. C'est pas ça. C'était quoi encore ça, hein? Je propose des remèdes permettant de soigner des cas communs ou plus rares. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Bon, on va... Oui, je veux un abandonner. Bon. On va pas la voler. Je vends des remèdes pour toutes les maladies. Oui, oui, je le sais. Puis tu vas me dire que je suis malade. Vous avez l'air pâle. Ça pourrait être l'ataxie. Ça fait des ravages chez moi en Cyrodiil. S'il vous faut un remède, revenez quand vous voulez. Je me suis trompé de bouton. Mais ne serait-ce pas un cas d'atonie? Attendez. Ah, vous êtes donc alchimiste? Je te bête, là, qu'elle veut me vendre des remèdes, et c'est pour ça qu'elle pense que je suis malade. Ou en tout cas, elle veut me faire penser que moi, je suis malade. Et donc, la nourriture. Je peux vendre la bière. Pourquoi pas? C'est pas si grave. La carotte, par contre, je vais garder. Ça aussi, on peut faire de la... Mais du coup, je le garde. Bon. Un peu de fromage. On peut vendre du pain, ouais, c'est pas trop grave. Oh, j'ai envie de voir si je peux faire... Oh, ça c'est déjà fait. Donc, gardez ça, je vais garder ça. Maison, la viande de chien. Pain.
Les divis, c'est le crâne. Oh, puis pourquoi pas. Les ingrédients, par contre, je vais les garder. Sauf, par exemple, si je veux avoir d'autres... Il va falloir que je les mélange à un moment donné, là, mais ça me tente juste pas de... Ah, on va aller voir. Oups. Bon, c'est... Des remèdes permettant de soigner des... Oui, je sais. Bon, on va y aller. Tout ce qu'elle voulait, c'est que me faire vendre des remèdes. Elle avait pas... Elle connaît peut-être pas toutes les maladies. Parce que connaître les, comment faire les potions, ça ne veut pas dire que tu te connais en maladie. Des questions? Non, mais je vais avoir des livres. T'en as des livres? Tout est à vendre, absolument tout. Si j'avais une sœur, je la vendrais sur le champ. Ok. Comment vont les affaires? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est intéressant, avec tout ce qui s'est passé. D'un côté, l'approvisionnement se fait plus irrégulier du fait qu'il y a moins de marchands sur les routes ces jours-ci. Mais d'un autre côté, la rareté de l'approvisionnement fait flamber les prix. Tout ce qui compte, c'est que j'ai ce dont vous avez besoin. Je peux vous assurer que vous en aurez pour votre argent. D'accord. On va aller voir. Par contre, il n'y a pas l'affaire de... Bon, c'est pas grave, ça. Des babioles, des petites choses... Il y a pas l'histoire là sur les la vendre de sort. Tiens, on va aller voir les livres. Sort de flamme gelée, un sort d'illumination. Ça on pourra en avoir facilement. Sort, c'est quoi sort incongru? Saveur incongru. Ok. Pour l'instant, il y a les sorts de base. Pas ceux que j'aimerais avoir. Bon. Prévoir pour ça. Ça, je garde. Crochet, c'est mieux de garder. Le cuir, je serais mieux de garder. Ça aussi, ça aussi. Ça, ça valeur zéro. Bon, je peux toujours le vendre, c'est pas grave. Non, ça, les lingots, je vais les garder. Minerai d'argent aussi. Panier, on s'en fout. Peau de biche, chevreuil, pelle, on va en vendre. Le petit bois, je vais le garder. Le pot de fonte, je vais le garder. Bon, allons voir si j'ai des livres en double. Ah, j'ai des livres de sorts que je devrais peut-être les regarder. Des livres de sorts de flammes, je vais le garder simplement pour... ouais, pour la maison, là. Tu sais, je veux juste avoir une collection de livres. Par exemple, transmuter le minerai, ça, ça pourrait être intéressant. Je pourrais me fabriquer de l'or. Les ordres de Talmor, je ne l'ai pas gardé. La prime, bon, il n'y a rien. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, on retourne. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. D'accord. Bon, on retourne, on va voir. Les ingrédients, je vais garder. La nourriture, j'en ai vendu. Les parchemins, on va voir. Les boules de feu, discord d'harmonie, tempête de feu. Oh, je serais mieux les garder. Potions. Potion, restauration de santé, je devrais le garder. Potion de force, ça peut être utile. Magie légère, ça, je vous garde. Restant dans la glace, je vais le garder. Potion de santé. La vigueur, j'en utilise pas souvent. Vérité. Pas. J'ai des arcs. 20% de dégâts. Si je veux faire de la chasse, ça sera pas mal quand même. Berserker. Skouma. D'accord. C'est. Pourquoi pas? Ah, je serais mieux de m'en débarrasser de toute façon. Les tenues. Nous, je garde. Ça, je garde. Bon, peu importe l'endroit où je les vends, mais ce serait plus approprié des ventes de... Bon, on s'en fout. Allez, on les vend. Ben, je vais le garder. Chaussures de fourrure, non. Collier d'or, je le garde. Gantelet de fourrure, je ne garde pas. Ça, non. Ça. Je les trouve pas particulièrement jolis, avertis les vêtements. Bon. Je vais y penser. Armes. Dague en acier. Pourquoi pas? Dague de fer, espadon, je les utilise pas. Ah, une hache de braconnier.
Je sais pas si on peut faire quelque chose avec. Non, j'ai pas tant de trucs que ça. Pourquoi je suis si lourd? Peut-être dans les DVD, il va me dire. C'est vrai, c'est les lingots qui me rendent si lourd. Je connais un endroit où j'y aille. Ok. Revenez donc. Peut-être. Oups. Ah! Oh, je suis assez léger pour aller vite. Ok. Mais on va se débarrasser des lingots. On va laisser les... Oh, là, ça va être vite, ça. Ouais, tout le monde est préoccupé par la mort, on le sait. C'est normal, après tout, il y a une guerre, là. Bon, on dirait que je supporte un petit peu mieux aujourd'hui. Fait qu'on va continuer. Et je vais devoir m'arrêter quand que ça ne sera plus le cas. On va aller tout simplement à l'endroit où il faut que je fabrique ma maison. Puis on va mettre tous les minéraux, tous ceux que j'ai transformés en... On va passer par là, ça va aller plus vite. Oh, il y a les Khajiits qui viennent d'arriver. On va aller les saluer. Oh, on pourrait peut-être aller voir ce qu'ils ont, eux autres. Les Khajiits vous souhaitent la bienvenue à vous. Peut-être avez-vous croisé Madran ou Akari. Les deux m'ont prêté serment et proposent des marchandises convenables. Jetez un œil. D'accord. Mais par contre, moi, je vais masser, vu que toi, tu es assis après tout. Ça serait dommage de ne pas faire la même chose que toi. Bon. OK, moi, je veux, c'est... Il n'y a pas de livre. Bon, on va quand même voir ce qu'il y a. Bon, t'as des jeunes spirituels, ça serait le fun, mais j'ai pas beaucoup d'argent, humainement. Donc, je serais mieux de les laisser tomber. On va laisser tomber ça. Je n'ai pas envie d'en acheter, vu qu'on peut en trouver. Et je sais à peu près où ils sont. Oh, les tuniques de... Je trouve ça drôle, c'est que les tuniques de garçons et les tuniques de filles se ressemblent pas mal. Du sucre lune. Ah! Ça, je savais pas que je pouvais en acheter, quoique c'est logique. Bon, c'est un peu dommage, mais je pensais qu'il y aurait des livres de sorts de magie, mais on dirait que les autres non plus, ils veulent pas les utiliser. Bon, ben. Puisse votre route vous conduire vers les sables chauds. Merci. Je sais que pour vous, c'est important, les sables chauds. Vous avez besoin de quelque chose? Peut-être plus tard. On se reverra. Je sais pas s'il y a un chemin plus rapide pour se rendre à notre maison en passant par les montagnes. Faudrait que je regarde. Même si la map ne dit pas grand-chose pour les raccourcis. En fait, ça aurait été intéressant, ça aurait été une map en 3D, là. Ça aurait été cool! Quoique c'est cool aussi une map comme ils l'ont faite, là. Mais une map en 3D, là, dans le monde VR, là. Pouf! Oups! Oh, pfiou, j'ai attaqué personne. Je dois vous demander d'arrêter. Vos cris rendent les gens nerveux. Bien. Heureux que ce soit réglé. Non, c'est pas réglé. Je te taquine un peu. Bon. Sombrage impériaux dragon. Désolé, je t'écoute plus. Je suis trop loin. Oh, mais... C'est pas mal, je commence à m'habituer, on dirait. J'ai un peu chaud, par contre. Ça, c'est un peu normal. J'ai mis ma couverture chauffante, donc j'ai les pieds bien chauds. Donc, le reste, ça peut aussi augmenter dans un sens. Par contre, j'ai un top assez léger. Ça compense. C'est léger, c'est au niveau du tissu, parce que c'est des longues manches. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre un pantalon plus léger, parce que c'est le pantalon qui me chauffe un peu.
J'aurais pu prendre un ventilateur aussi. Oui, j'ai un ventilateur pour mon casque VR, mais j'ai oublié de l'installer. C'est pas grave. Je l'installerai une autre fois. Ça fait du bruit et ça devient parfois un peu fatigant, mais ça fait du bien quand on en a besoin. Oh, on dirait que je vais pouvoir jouer plus longtemps. Ah, mais si je m'habitue comme ça, là, c'est pas mal. Ouais, j'ai joué à des jeux VR qui m'ont donné mal au cœur, mais si ça peut me permettre de mieux jouer à Skyrim, c'est encore mieux. Je devrais essayer certains jeux, peut-être que je... Bon, ma vérité, c'est le fait que je n'utilise pas le joystick de la main gauche pour tourner la tête. À quoi ça sert? J'ai juste à me tourner moi-même. Bon, OK, quand on est assis sur une chaise qui ne peut pas tourner, ça, c'est pratique, là. Ah, oui, j'ai encore du temps. Je peux aller voir ici pour des livres. Ouais, parce que je voudrais bien aller... à Sorengard, mais j'ai besoin d'un sort puissant. Et le sort de feu. Je voulais que ceci vous revienne. En gage de mon amitié. Quoi? Notre amitié est une bonne chose. Hein? Je voulais trouver un moyen de vous remercier. J'espère que ça fera l'affaire. Hein? Mais merci infiniment d'avoir donné une bonne leçon à ces voleurs. Mais... Le marché de Rivebois a retrouvé toute son activité. OK, mais qu'est-ce que vous m'avez donné? J'ai même pas vu le message. Vous et moi sommes les seules personnes à peu près saines d'esprit. Oh, si tu le dis. Il y a tout ce dont vous avez besoin au marché de Rivebois. D'accord, qu'est-ce que vous avez à vendre? Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Vous êtes consulté, les marchands, pour dire ça? Alors, je sais que c'est... Ah, attends une minute, les livres sont ici. Allez, d'où te trompe, je l'ai. Clairvoyant, je n'ai pas vraiment besoin. Quoi de... Froid mordant. Je l'ai, ça, le froid mordant? Je suis pas sûr. Furie. Ah, ça peut être intéressant. Moins de barrières, ça, je l'ai pas. Mais c'est toujours des sortes de base. Je vais attendre un peu, j'ai pas beaucoup d'argent. Ce que je voulais acheter, c'est un sort de feu plus puissant que celui que j'ai. C'est tout. Et la boule de feu, ça serait idéal. Salut, toi! Heureusement que je te tue pas. Hein? Sinon, tous les gars vont m'attaquer. Ça fait drôle, ça. J'ai même vu dans un dessin animé cette histoire. Non, le personnage n'a pas fait exprès de tuer la poule, puis tout le monde s'est jeté dessus. Ah, c'était drôle dans l'animé. C'est aussi assez drôle dans les jeux vidéo, même si des fois ça devient chiant parce que tu le fais pas exprès pour tuer la bestiole, là. Ah, tiens, ils ont mis des... ils ont mis un petit peu ici. Sauf que ça passe carrément dans la pierre, là, mais bon, c'est pas grave. C'est pas évident de faire vraiment très réaliste. Et c'est pas vraiment nécessaire non plus. On va les ramasser. Ça. C'est quand même beau des poissons qui te sautent. Tu veux rattraper du poisson? Ah, je sais bien que tu peux pas. J'aime bien l'eau quand même. Je suis sûr qu'on peut encore faire mieux que ça en 2024, mais les jeux vidéo en 2024 sont pas tout aussi bien. Mais je veux dire, ils pourraient être aussi bien que j'imagine dans ma tête, là, surtout. Ça prend des personnes qui s'y connaissent énormément en programmation pour faire le jeu qui soit optimisé et qui soit un maximum des capacités de la machine qu'une machine peut faire aujourd'hui. Réellement, qu'ils peuvent faire. Oh! Je le fais ou pas? Un petit donjon? Hein? Il est pas si dur que ça, tu es en plus.
Pas longtemps, j'ai pas été. Allez, on y va. Hey, regardez une grotte. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Moi aussi, mais c'est pas une grotte à proprement parler. Ah, c'est une fille aujourd'hui. Vous êtes à moi. C'est tout ce que tu avais? Bon, déjà à peine. Bah, c'est pas grave. Allons-y! C'était censé le faire au tout début de la partie. On est encore au tout début de la partie.